ABCD est un parallélogramme, ça c'est la figure qui est tracée ici. ABCD, on nous dit que c'est un parallélogramme. Alors là, dans cette vidéo, on va essayer de trouver, un, de trouver une façon de calculer l'air d'un parallélogramme, donc de celui-ci en particulier. Donc pour ça, on va commencer par se rappeler ce que ça veut dire que ABCD est un parallélogramme. Alors d'une part, ça veut dire que les côtés 2 à 2 opposés sont parallèles. Donc par exemple, ce côté-ci que je trace en rouge. Il est parallèle à celui-ci. Le côté AB est parallèle au côté AD, est parallèle au côté BC. Donc ça, je peux l'écrire à côté. Le côté AD est parallèle au côté BC. Et puis l'autre paire de côtés, c'est-à-dire le côté AB que je trace en bleu et le côté DC, eh bien, ils sont parallèles aussi. Voilà. Donc ça, je peux l'écrire comme ça. AB, le segment AB est parallèle au segment euh, DC. Voilà. Ça, c'est parce que ABCD est un parallélogramme. Alors, ce que ça veut dire aussi, c'est que le côté, les côtés opposés ont même longueur. Alors, par exemple, le côté euh, AB, il a la même longueur que le côté DC. Le côté AD, ça, je vais le faire en violet, le côté AD, il a la même longueur que le côté BC. Alors maintenant, l'idée pour calculer une aire, une l'aire d'un parallélogramme, c'est de se ramener à des figures qu'on connaît. Alors nous, on connaît, on sait déjà calculer l'aire d'un triangle. Donc, l'idée de base, ça serait de tracer des triangles dans cette figure. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est tracer cette diagonale, la diagonale AC ou bien l'autre, hein, d'ailleurs, on pourrait aussi tracer la diagonale BD. Mais bon, là, je vais tracer cette diagonale AC qui nous permet de tracer dans le parallélogramme ABCD deux triangles, le triangle ADC et le triangle ABC. Voilà. Alors, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que ces deux triangles, ça c'est pas très compliqué à démontrer, les deux triangles ici ils sont ils sont isométriques parce qu'effectivement on a ce côté AB qui a la même longueur que le côté donc un côté AB dans le triangle ABC qui a la même longueur que le côté DC dans l'autre triangle ADC, le côté BC il a la même longueur que le côté AD. Donc le côté BC dans le triangle ABC a la même longueur que le côté AD dans le triangle ADC. Et puis en plus, il y a ce troisième côté AC qui est commun aux deux triangles. Donc finalement, ces deux triangles-là, ils sont isométriques parce qu'ils ont trois côtés égaux 2 à 2. Alors ça, je vais, je vais l'écrire. Donc je vais écrire que le, le triangle ABC et le triangle, alors là, il ne faut pas que je me trompe en, en nommant les sommets donc je, si je pars de a et que je vais à b, d'abord je, je, je prends le côté, un côté bleu et ensuite un côté rouge. donc côté bleu et côté rouge pour faire ça, en fait, il faut que je parte du, du sommet c dans le deuxième triangle. donc ça va être le, le triangle cda. donc les triangles abc et cda sont isométriques. Sont isométriques. Ça, en particulier, ça veut dire que non, alors je, je réécris pourquoi hein, Parce que c'est parce qu'ils ont trois côtés égaux 2 à 2. Voilà. Alors ça, ça implique entre autres, hein, ça implique que l'aire du triangle ADC et l'aire du triangle ABC sont les mêmes. Deux triangles ont les mêmes aires. Alors maintenant, si je veux exprimer l'aire du parallélogramme ABCD, alors je vais, je vais le faire ici. L'aire du parallélogramme ABCD, eh bien, c'est tout simplement la somme des aires des deux triangles ici. Donc, c'est l'aire du triangle ABC plus l'aire du triangle CDA. Je garde l'ordre, hein, c'est juste par commodité. Alors, maintenant, l'aire du triangle ABC qui est ici, en fait, c'est la même que l'aire du triangle CDA. CDA, puisque les deux triangles sont isométriques, donc forcément ils ont la même, Z, la même R. Du coup, je vais pouvoir écrire que l'aire du parallélogramme ABCD, eh c'est deux fois l'aire du triangle CDA. Alors ça, c'est assez pratique parce que nous, on sait calculer l'aire du triangle CDA, puisqu'on sait calculer l'aire d'un triangle. On sait qu'en général, l'aire d'un triangle, c'est 1 un demi, un demi de la base fois la hauteur. 1,5 de la base fois la hauteur. Alors ici, euh, on peut par exemple se dire, on est dans ce triangle ADC, on peut par exemple se dire que la base, c'est le côté DC, donc qui vaut B, et puis la hauteur, on la trace, voilà, je la trace ici, c'est la hauteur issue de A, qui fait un angle droit avec le côté DC, et euh, cette longueur-là, elle vaut H, voilà, c'est la hauteur. Donc dans ce cas-là, si on veut exprimer l'aire du parallélogramme, et bien tout simplement, on va pouvoir se dire que l'air du parallélogramme ABCD, c'est donc 2 fois 1 demi de la base fois la hauteur, mais 2 fois 1 demi, ça fait 1, donc finalement il reste ça, simplement, B fois H. Donc l'aire du parallélogramme ABCD, c'est la base fois la hauteur. Voilà. Alors évidemment j'aurais pu faire un autre choix. J'aurais pu par exemple déplacer le, le, le parallélogramme, le tourner comme ça. J'aurais eu un dessin de ce genre-là. Alors si je, je dis que je vais le, je vais le placer sur, cette, sur ce côté-là ici qui sera le côté AD. Je l'ai fait tourner. Hein. Donc j'aurais quelque chose de, de ce genre-là. Voilà. Voilà donc ici le sommet B ici, le sommet C. Et du coup, je, je peux à ce moment-là me dire que la base, ça serait AB, ça serait ce côté-là, et la hauteur, du coup, ça serait cette, cette distance ici. Voilà. Dans le premier cas, ici, quand je parle de cette configuration-là, de, de quand je considère que la base, c'est le segment DC, je vais pouvoir écrire que c'est que l'air du parallélogramme ABCD, eh c'est H. La hauteur H fois la base DC. Voilà. Et puis si je pars de cette autre configuration-là, alors à ce moment-là, je vais pouvoir dire alors je vais appeler cette hauteur-là, je vais l'appeler H2. Et puis la première, celle-là, je vais l'appeler H1. Ça sera mieux. Donc là, dans ce cas-là, avec cette notation-là, je vais avoir. Dans le premier cas, quand je considère que la base c'est le segment DC, je vais avoir que du coup c'est l'air du, du parallélogramme ABCD, c'est H1 fois DC, ou alors H2 fois AD. Voilà. H2 fois AD. C'est tout simplement deux, deux expressions possibles qu'on peut utiliser pour calculer l'aire du parallélogramme ABCD. Alors je, peux, je pourrais tout aussi bien tracer la, la hauteur H2 sur ce, sur ce dessin. Hein. Voilà, par exemple, alors je vais la tracer en vert, en bleu comme l'autre, comme sur l'autre dessin. Voilà, là, ici, ça serait la longueur h2, la hauteur issue de C. Et donc, c'est ce qu'il faudrait utiliser si on considérait que la base c'était AD. Voilà. Alors, on va faire un petit exemple. Donc, si on vous donne un triangle, un parallélogramme, pardon, avec... Euh, des dimensions comme ça donc ici un côté qui mesure 5 par exemple et puis voilà je dessine le parallélogramme et si on vous dit que la hauteur la hauteur que je vais dessiner ici c'est 6 si on vous dit que cette hauteur c'est 6, eh bien bon, la, no la hauteur j'ai dessinée ici à l'extérieur, mais j'aurais très bien pu la dessiner ici, ça serait pareil, hein. la distance est la même, la c'est la même longueur qu'on retrouve ici ou là. Donc qu'on qu trace la hauteur à l'extérieur ou à l'intérieur du parallélogramme, ça ne ça change rien du tout. Et du coup, dans ce cas-là, bah, l'aire du parallélogramme qu'on a dessiné ici, bah, c'est tout simplement 5 fois 6, la base fois la hauteur. Donc la base c'est 5 et la hauteur c'est 6. Donc c'est 5 fois 6, c'est-à-dire 30. Après, il faudra considérer les unités de longueur qu'on a utilisées. Donc, ça sera des mètres carrés si les mesures sont données en mètres, ou des centimètres carrés ou des millimètres carrés. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour calculer l'aire d'un para parallélogramme, eh bien, on peut utiliser cette formule-là si on connaît la base et la hauteur. L'aire, ça sera la base fois la hauteur.